le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours au pluriel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un très grand, super beau, impeccable 4,5. Donc c'est un condo locatif. Et on est dans le secteur de Ville-Sainte-Catherine. Donc je vous dirai, pour vous situer, on est sur la rive sud de Montréal. On est à peu près une vingtaine de minutes en voiture de l'île de Montréal. Donc vous êtes à proximité de pas mal plusieurs commerces, à proximité, achats, etc. Donc vous allez voir un peu avec la géolocalisation de Google Maps que nous allons afficher sur ce, pas sur cette vidéo, mais plutôt sur les photos que vous allez avoir. Donc vous allez avoir vraiment la géolocalisation, la consommation d'Hydro-Québec, les photos, les inclusions, etc. Donc, c'est un très beau grand condo locatif qui sera disponible pour les prochains jours immédiatement, si souhaité. Alors, n'oubliez pas que c'est une vidéo 360 degrés. Cliquez avec votre souris si vous regardez ça directement sur votre écran d'ordinateur. Bougez la caméra ou tout simplement glissez votre doigt si vous regardez avec une tablette, un téléphone intelligent à ce moment-ci. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube comme d'habitude et surtout d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines belles opportunités, les prochains beaux logements que nous aurons seulement ici chez bonlocataire.com. Alors, sans plus tarder, on commence cette visite virtuelle 360. Derrière moi, vous allez avoir la porte d'entrée principale du condo. Dès que vous entrez, vous allez avoir un petit hall d'entrée avec la céramique et votre garde-robe d'entrée, quand même assez grand. Donc là-dessus, vous pouvez mettre les manteaux, les bottes, etc. Vous allez avoir aussi une porte française. Donc tout simplement ici pour couper le froid ou quoi que ce soit. Donc vous l'ouvrez et immédiatement, vous allez avoir vraiment un très grand salon, salle à manger, cuisine à air ouvert. Donc c'est vraiment un très grand, magnifique condo. Je vous dirais qu'on est au niveau du rez-de-chaussée. Donc vous êtes au premier niveau. Donc, je vais vous dire, peut-être même un petit peu surélevé du niveau de la rue. Donc, c'est vraiment idéal. Donc, si vous êtes une personne professionnelle, personne âgée, retraitée, vous aurez vraiment accès à tout, à peut-être à deux marches, trois marches du niveau du sol au-dessus. Alors, dès que vous entrez, vous avez vu l'espace ici, vous pouvez faire votre coin salon, salle à manger, tout simplement, dépendamment de ce que vous voulez mettre votre salon, salle à manger. Donc, c'est vraiment air ouvert. Avec la cuisine, donc si vous avez des grands meubles, mobilier de salon, table à manger, aucun problème, tout pourra entrer facilement. Alors, je vais vous montrer la terrasse que vous allez avoir ici, le balcon avant. Donc, voyez-vous, vous allez avoir la piste cyclable juste ici devant moi. Vous allez avoir le collège Charlemagne dans le fond. Donc, c'est une rue très, très résidentielle, donc c'est vraiment paisible. Piste cyclable et vous allez avoir le bord du fleuve Saint-Laurent juste ici à ma droite où ce que je pointe actuellement, mais là vous allez voir un grand arbre, donc normalement vous avez le fleuve Saint-Laurent justement ici. Alors la terrasse quand même assez grande, assez spacieuse pour mettre votre set patio, sinon vous allez voir tantôt, je vais vous montrer la terrasse arrière avec une piscine communautaire pour les copropriétaires ou les locataires qui habitent dans les immeubles de cette propriété-ci. Alors, encore une fois, salon, salle à manger, très grand, très spacieux. Et vous avez ici la cuisine, très grande cuisine, beaucoup de comptoirs, double lavabo. Vous avez ici l'accès pour mettre le lave-vaisselle, juste ici où je pointe, vers le bas. Et vous allez avoir beaucoup d'armoires de cuisine. Donc, c'est un condo qui est impeccable, il vient d'être rafraîchi. Et vous avez l'espace pour mettre votre cuisinière. Votre réfrigérateur, très important, encore une fois, je le répète à chaque vidéo, à chaque logement que nous allons visiter. Donc, très important d'avoir la bonne hauteur, prendre vos mesures, la bonne largeur pour savoir si vos électroménagers pourront entrer à la bonne place. Alors, vous allez avoir ici des tiroirs, armoire de cuisine, encore une fois, plusieurs tablettes, l'espace garde-manger juste ici, quand même assez grand, assez profond. L'espace pour votre micro-ondes juste ici. Et vous avez de la belle céramique sur les planchers et des beaux planchers dans le reste de la propriété. Donc, si vous tournez la caméra immédiatement devant moi où je pointe actuellement, vous allez avoir le climatiseur mural. Vous allez avoir aussi
L'entrée pour la laveuse sécheuse juste ici, l'échangeur d'air, donc laveuse sécheuse une à côté de l'autre avec une tablette directement. Alors voilà, donc ça c'est pour laveuse sécheuse. Maintenant, la magnifique grande salle de bain. Vous allez avoir ici lavabo, miroir, pharmacie juste ici, deux pharmacies sur les côtés. Vous allez avoir ici des tiroirs, espace de rangement sous le lavabo, prise électrique, vous avez des thermostats électroniques aussi pour contrôler mieux votre chauffage. Et regardez-moi cette magnifique belle baignoire. Donc c'est vraiment une baignoire à part, la douche séparée. Donc elle est quand même assez longue, assez profonde. Des heures de plaisir à vous relaxer là-dedans. Alors je vous ouvre maintenant ce qui concerne la douche. Alors la douche ici, si vous êtes deux là-dedans, je pense que oui, vous allez faire des bonnes affaires là-dedans. Vous allez être un peu serré, mais ça pourra marcher si vous êtes deux là-dedans. Alors voilà, donc ça c'est pour la douche, quand même assez grande. Et vous avez en plus, juste ici, des tablettes, des étagères pour mettre vos produits nettoyants, les serviettes, papier de toilette, etc. pour cette salle de bain. Donc une magnifique salle de bain, de la belle céramique partout, propre, impeccable. Et là, je vous montre la chambre des maîtres. La chambre des maîtres, si vous avez un lit king, ce qu'il y a de plus grand, aucun souci, tout pourra entrer facilement. Donc c'est très grand, très spacieux. Vous allez avoir une magnifique vue sur la piscine. Donc si vous tournez la caméra où je pointe actuellement devant moi, vous allez avoir la piscine extérieure, la terrasse, le jardin, etc. Donc c'est très, très beau, impeccable. Chambre à coucher, très grande, très spacieuse. Et vous allez avoir ici votre walk-in closet. Donc c'est un grand garde-robe, très spacieux. Vous avez des tablettes, vous avez le réservoir d'eau chaude, très grand réservoir qui vient d'être changé récemment. Donc un grand garde-robe pour la chambre des maîtres. Normalement, c'est un logement qui est très lumineux. Malheureusement, aujourd'hui, il nous donne des nuages. Donc à ce moment-là, c'est un petit peu sombre. Mais non, sinon, vous allez avoir amplement de soleil le matin dans ces pièces-ci, puis l'après-midi, vous allez avoir dans le salon, cuisine, salle à manger, toute l'après-midi du soleil. Alors, deuxième chambre à coucher, quand même assez grande. Je vais vous dire honnêtement, si vous avez un grand lit, tout pour entrer, garde-robe, que vous avez vu tantôt, et je vous montre la magnifique, belle, grande terrasse que vous avez côté arrière, vue sur la piscine. Alors, voyez-vous ici, vous allez avoir tout cet espace-là que vous voyez devant moi, accès à la piscine, et puis vous allez avoir deux bon voisinage aussi. Alors voilà, donc ça c'est pour les espaces communs que vous allez avoir avec la piscine et la terrasse qui sera privée uniquement pour vous. Alors si ça vous intéresse, comme d'habitude, si vous voulez connaître le prix de la location, les inclusions, s'il y a des places de stationnement, etc., la consommation d'Hydro-Québec, je vous conseille fortement de cliquer sous cette vidéo comme d'habitude. Vous cliquez là-dessus et vous allez avoir un lien Internet qui va vous amener directement sur notre site bonlocataire.com. Et là, vous aurez la consommation d'Hydro-Québec en moyenne. Vous allez avoir le prix, la date d'occupation, les inclusions, etc. Donc, vous allez avoir plusieurs réponses à vos questions. Si vous souhaitez faire une visite prochainement, contactez-nous, laissez-nous un petit message. Communiquer, tous les moyens de communication sont bons. Nous allons vous recontacter rapidement pour vous donner un rendez-vous et venir visiter en personne ce magnifique condo. Alors, merci beaucoup et on se dit à la prochaine et à très bientôt et au plaisir de vous rencontrer prochainement.